sonne absolument ranoufoque, c'est même assez, terre à terre. C'est pour ça que c'est exactement pour ça que j'ai choisi cette discipline qui puisse sembler originale. C'est pour ramener justement un peu de poésie, un monde peut-être un peu plus onirique à travers cette discipline que dans leur quotidien. C'est pour ça que j'explique dans une première partie assez assez dense le quotidien de chacun de ces personnages qui est tout sauf du cinéma en fait. Qu'est-ce que j'écris là ? Équipe de France. Mais pourquoi pas les hommes dauphins ? Non. Ce film-là, de réaliser, de voir ces acteurs devant la caméra, tout ça, ou que ce soit le montage, et puis après la cerise sur le gâteau qu'on aille tous à Cannes, de vous montrer ce film aujourd'hui, là, pour moi c'est très très émouvant parce que c'est vraiment. C'est un film qui aura toujours une place totalement à part dans mon cœur, dans ma filmographie, dans ma vie. C'est de loin ce que j'ai préféré faire de toute ma carrière. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Je vous présente Bertrand ! Oui, c'est Mathieu Madrid qui va faire le premier rôle. Alors, donc là, tout de suite, ça place le film dans un truc, qu'on le veuille ou non, qualitatif. Il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça ? C'était important pour moi qu'il y ait des personnages dont la trajectoire n'est pas forcément attendue. J'entends par là le personnage de Virginie Efira, c'est Guillaume par exemple. Voilà, c'est des gens qu'on découvre en trois temps, qu'on découvre pas tout de suite. Il y en a qu'on découvre assez rapidement et d'autres qui nous cachent des choses. Et ça me plaisait d'avoir un film choral au vrai sens du terme. 5, 6, 7, 8. C'est tous qui jouent, tous. Ils ont mis 5 mois et ils s'entraînaient 2 fois 4 heures par semaine. Qui est pour ? Bon les gros là. Je ne vois pas la natation dans ce film comme un rêve des personnages. Je le vois comme un prétexte. Je t'ai demandé quelque chose ? Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. On était tous très 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 ensemble et très 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 motivés. Les journées passaient de façon très joyeuse et très rapidement, mais très concentrée en même temps. Like a candle in the wind. Que de la merde dans la tête en fait. Tout le monde se mélange, le pharmacien, le chauffeur de bus, tout le monde est là dans un but précis. Ça dépasse forcément l'idée même du sport. Et on s'arrête pas. Tu es une grosse connasse. Baiser, bande de gros. C'est absurde comme proposition en fait. Mais moi j'ai eu peur parce que je me suis dit mais peut-être que j'ai envisagé un truc trop juste pas réalisable en fait. Je pense que ça va faire un tabac, franchement. C'est pas des hommes parfaits, ou leurs différences. Amen. C'est l'image de mon casting. J'avais envie d'un peu tous les cinémas dans mon cinéma.